par moments, les hasards du calendrier sont vraiment cocasses. Après avoir traité il y a quelques semaines de The Witcher Path of Destiny, un jeu fonctionnant autour de livres d'histoire dont l'issue est déterminée par les décisions des participants mais surtout par leur façon de jouer, j'ai été contacté par l'éditeur Rhapsody Games, qui lance ce mois-ci un jeu fonctionnant autour de livres d'histoire dont l'issue est déterminée par les décisions des participants mais surtout par leur façon de jouer. Bon, c'est la même chose quoi. Pourtant, les fondations du jeu que je vous présente aujourd'hui sont sensiblement différentes, puisque derrière Monarchs of Camelot et son primo éditeur Rhapsody Games se cachent en fait des vétérans de l'industrie ludique, à l'image d'Anastasios Grigoriadis, qui en est à son 16e Kickstarter et a travaillé, entre autres, sur des titres aussi marquants que Solomon Kane ou plus récemment Hegemony. Ainsi, si les premières minutes de cette review vont s'attacher à pointer les similitudes entre ces deux jeux narratifs, vous allez rapidement vous rendre compte qu'ils sont plus différents que ce que les apparences voudraient bien laisser croire, et que, peut-être, l'Outsider Rhapsody propose une approche qui pourrait combler ce que Path of Destiny avait laissé un peu froid. Alors, y a-t-il match, et l'un des deux est-il en mesure d'enterrer l'autre? Arbitrage vidéo dans cette review de Monarchs of Camelot. Monarchs of Camelot est un jeu de tableau et d'engine building, ainsi que de pose d'ouvrier narratif, et oui, tout ça, vous mettant dans la peau de l'un des principaux personnages du mythe arthurien après la mort du roi qui lui a donné son nom, le Grand Arthur. Partant de ce postulat pour proposer une histoire originale, le titre vous donne pour objectif, à l'image d'Old King's Crown, de devenir l'héritier d'une illustre couronne en usant au choix de force ou de diplomatie, alors que le royaume morcelé par l'absence de chef légitime se retrouve exposé de toutes parts aux envahisseurs. Chaque joueur choisira parmi 4 personnages asymétriques et disposera, dans sa zone de jeu, d'une carte à son image, d'un paquet contenant ses décisions grâce auxquelles il constituera sa main à chaque tour, ainsi que de toute une série de jetons représentant à la fois ses ressources, la magie et l'or, ainsi que ses troupes, soldats, diplomates et espions, regroupés dans ce que le jeu appelle le fief. Au centre de la table, vous disposerez sur un grand livre d'aventure contenant les divers lieux dans lesquels vous pourrez vous rendre, le paquet de cartes représentant le scénario choisi, ainsi que les protagonistes de l'histoire, sortes de PNJ avec lesquels vous pourrez interagir. Vous compléterez cette mise en place avec quelques cartes liées au monarque choisi par les joueurs, ainsi qu'avec une piste permettant de mesurer le prestige, la santé et le bonheur du royaume de chaque participant, tout en gardant trace du passage du temps. Votre objectif sera d'avoir le plus de points de victoire, appelés points de prestige à la fin de la partie, qui pourra être déclenché soit par la fin de l'histoire bien sûr, mais aussi si l'un des monarques atteint les 10 points de prestige ou n'a plus aucune carte à jouer. Jusque là donc, on retrouve le concept du populaire Path of Destiny, la licence en moins, et puisque nous y sommes, balayons tout de suite les éléments de gameplay qui sont communs à ces deux jeux. Chaque histoire de Monarchs of Camelot, la campagne en proposera 10 plus 4 exclusives à Kickstarter, sera divisé en 3 grandes scènes, 3 embranchements, à l'issue desquels les choix ou parfois les actions de chacun des protagonistes décideront de la suite ou du dénouement du récit. A leur tour, les joueurs placeront une carte de leur main d'un côté ou de l'autre de leur monarque afin de symboliser leur action. Chacune de ces cartes thématiques présente un événement dans la partie supérieure, ainsi que les deux décisions que le joueur peut prendre en conséquence. En glissant sa carte sous son souverain, ou sous la carte précédente, de manière à ne laisser visible que la moitié qui correspond à son choix, chaque participant va alors déclencher une série d'actions, immédiates ou différées, influant sur plusieurs éléments du jeu. À la fin d'un chapitre, fin dont les conditions sont déterminées par sa carte de mise en place, le groupe sera amené à prendre une décision, soit par vote, soit en fonction de paramètres de jeu comme les icônes sur les cartes décision des monarques, ou bien le nombre de jetons sur certains PNJ du livre d'aventure. En plus de changer le cours du récit, ces embranchements récompenseront certains joueurs en points de prestige, les points de victoire, si leurs actions sont cohérentes avec leurs intentions initiales, ou bien si elles vont dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'elles placent leur monarque dans le camp des vainqueurs. Si vous menez l'histoire à son terme, après 3 chapitres, le vainqueur sera déterminé en fonction de ses points de prestige, bien qu'il soit possible d'interrompre la partie avant cela, par exemple quand l'un des concurrents atteint les 10 points en cours de jeu. Si ce que je viens de vous expliquer vous rappelle une campagne récente, réservez votre jugement, Monarchs of Camelot pousse son concept bien au-delà du tableau de cartes narratif.
La première chose qui rend le projet grec unique est le fait que les cartes que vous allez jouer ne comportent pas que des symboles ou des actions qui vont comboter ensemble, elles façonnent les possibilités de votre royaume. Loin d'un simple tableau building, le titre offre à chaque carte un mélange d'effets immédiats sur lesquels vous ne reviendrez pas, d'actions payantes que vous pourrez effectuer à tout moment, et de passifs qui vous suivront jusqu'à la fin du jeu. Cette spécificité donne même à l'ensemble une sensation d'engine building, puisqu'au-delà des nombreux objectifs que vous allez poursuivre au fil de vos aventures, et dont nous allons parler tout de suite, il vous faudra vous assurer que la rivière de cartes que vous aurez composée génère suffisamment des différentes ressources du jeu à chaque tour, afin de ne jamais vous retrouver démuni, et donc incapable de véritablement influer sur l'histoire. Ces ressources en hommes et en matériel seront utilisées à de nombreuses fins, en de nombreux endroits du plateau. En premier lieu, je viens de l'évoquer, elles seront le moteur et la base du déclenchement des actions planifiées de vos cartes, ajoutant aux mécaniques de décision un fort accent de pose d'ouvrier, alors que vous personnalisez votre pool d'actions disponible et déplacez vos gens d'une carte à l'autre au fil de vos besoins. S'ajoute à cela la zone de péril de chaque lieu de l'histoire. En investissant des ressources dans ces emplacements, qui seront uniques à chaque page, vous nuirez plus ou moins subtilement à vos adversaires en les privant d'options ou de jetons particuliers. En plus d'être une mécanique intéressante et changeante, elle fait partie de ces idées qui donnent au jeu une véritable thématique d'intrigue de cour. Certes, vous luttez pour le bien commun du royaume, mais derrière les sourires et les poignées de main de façade, chacun effectue son petit travail de sape, assassine ou emprisonne des généraux ou des diplomates. Vous pourrez également dépenser vos ressources en les donnant aux divers chevaliers et autres dignitaires qui croiseront votre route. Souvent tirés aléatoirement afin de donner plus de rejouabilité au titre, ces personnages vous octroieront une action parfois unique en récompense, mais ce n'est pas leur seul atout. Chacun des intervenants a une idée bien précise des décisions qu'il faudrait prendre par la suite, et la carte ayant reçu le plus de jetons à la fin d'un chapitre participera au vote sur son dénouement. Ainsi, Rhapsody se débarrasse élégamment du problème de tiebreaker en cas d'égalité dans les votes des joueurs et donne un vrai poids aux protagonistes de ces histoires. Enfin, et c'est l'un des points clés de ce Monarchs of Camelot, chaque héros que vous incarnerez sera doté de deux quêtes personnelles. Au cours d'une partie, vous ne pourrez en accomplir qu'une, mais celle-ci vous octroiera un gain de points de prestige significatif et vous obligera donc régulièrement à vous concentrer sur les problématiques de votre fief en plus de l'histoire principale. Par exemple, Guenièvre aura le choix pendant la partie soit de faire fi du passé, de se débarrasser de ses suivants et de prendre le pouvoir par la bonté et la grâce, ou bien de céder à la colère provoquée par la mort de son roi et d'éradiquer tous ceux qui à ses yeux lui ont fait défaut. Ces deux options prendront la forme de deux quêtes personnelles que vous pourrez librement faire progresser au fil des tours, même si au final vous ne pourrez en accomplir qu'une seule. Si pendant la partie vous penchez pour la seconde option, votre but sera de tuer ou de renvoyer tous les soldats de la garnison de Camelot. Si vous y parvenez, vous marquerez 4 points, mais chaque objectif personnel peut être ralenti par les adversaires. En l'espèce, à chaque tour, chaque joueur pourra placer gratuitement un nouveau soldat sur la carte garnison. Ce choix ne sera pas facile tant les ressources sont rares et les occasions de les allouer nombreuses. L'interaction et le thème vont même encore plus loin, puisque chaque côté des cartes que vous poserez facilite l'accomplissement de l'un des deux objectifs, mais correspond aussi souvent à l'un des dénouements de l'histoire. Guenièvre, posant des cartes à droite et s'orientant vers la Dame Blanche de la Vengeance, vous donnera par exemple plus d'outils pour vider la garnison, tout en faisant mécaniquement pencher ses décisions lors des votes du côté de l'hostilité ou de la guerre. Car si le dénouement des chapitres va souvent être déterminé par le vote des joueurs, parfois amendé par le PNJ qui aura reçu le plus de jetons, le scoring lui sera plutôt lié aux icônes présentes dans le coin de vos cartes, et donc d'une certaine manière au comportement et au choix qu'aura fait le monarque. La décision prise à la fin de chaque scène crée donc une tendance, oriente les événements, et vous permet d'anticiper lequel des deux symboles du livre choisi rapporteront des points en fin de partie. Loin d'être une simple toile de fond, l'histoire ainsi que la manière dont vous interagissez avec elle seront des éléments clés de votre victoire. Au final, vous allez, au cours d'une session de Monarchs of Camelot, poursuivre un but commun, en tâchant d'orienter le narratif pour qu'il corresponde aux icônes dont vous disposez, tenter de prendre l'avantage en réglant vos propres problèmes au travers d'un choix d'objectif personnel, mais aussi tâcher de ralentir ou de gêner vos concurrents dans leurs propres objectifs afin d'éviter que leur prestige ne vous surpasse avant d'arriver au dénouement du livre. Encore une fois, tous les ingrédients sont là pour faire du projet un vibrant hommage aux plus tortueuses des intrigues de cour, la diplomatie et le dialogue entre les joueurs prenant au fil des parties une importance de plus en plus grande.
Vous le comprenez, Monarchs of Camelot a bien plus à offrir qu'une simple copie carbone des jeux actuellement sur le marché. Il se distingue, entre autres bonnes idées, par la symétrie absolue de ses protagonistes, chacun étant doté de deux quêtes personnelles très thématiques proposant toutes un gimmick différent. D'une certaine manière, on pourrait comparer ce système aux nombreux métiers de la BD marchand ou au rôle du jeu de gestion Hégémonie. Si les règles et les objectifs principaux sont communs, chacun gère son fief d'une façon unique. Cela va bien sûr imposer à chaque joueur qu'il lise, qu'on lui explique, en tout cas qu'il comprenne les spécificités et les règles propres à son personnage, ce qui induit une courbe d'apprentissage et de progression un peu plus raide que dans des jeux de complexité comparable. Car Merchants of Camelot est un vrai jeu d'initié, cérébral, exigeant, qui va en permanence vous demander de soupeser un grand nombre d'options allant du choix de la carte à poser et du côté à utiliser, jusqu'aux manières d'influencer les PNJ dans leurs décisions pour qu'elles correspondent à vos desseins, sans oublier la course aux objectifs personnels et la nécessité d'une gestion prudente de ses ressources. À tous ces paramètres s'ajoute une notion de timing, car la quatrième carte posée d'un côté ou de l'autre de votre tableau déclenchera une transformation irréversible qui entraînera un changement de votre pool d'action, mais verrouillera aussi de manière quasi définitive l'objectif personnel que vous pourrez compléter. Comme tout jeu exigeant et complexe, la réalisation de grands combos sera extrêmement gratifiante. Certaines cartes ou actions vont vous permettre de déclencher d'autres effets, donnant parfois lieu à des avalanches d'événements qui prolongeront significativement la durée de votre tour. La volonté de l'auteur est que, quelle que soit la situation de la partie, un retournement et une remontée in extremis dans les points ne soient jamais impossibles. Autre choix majeur dans le game design, toutes les cartes que vous jouerez ne comporteront pas forcément d'icônes et n'auront donc pas nécessairement d'incidence sur le dénouement du chapitre actuel. Cela donne bien plus de liberté aux joueurs qu'un titre comme Path of Destiny, puisque vous pouvez choisir, pendant un ou plusieurs tours, de vous concentrer sur votre fief, sur la santé de votre économie, sans pour autant subir une icône qui vous forcerait à changer de camp. Ce qui fait la force du titre par rapport au dernier jeu de Go On Board, c'est que vos décisions pendant les conclusions des chapitres ne pourront être prises indépendamment de celles des autres chapitres, dans un but d'optimisation à court terme. Grâce à son système de symboles annoncé dès le début de l'histoire et lié à des décisions majeures pour l'avenir du royaume, c'est votre cohérence et votre clairvoyance au long cours qui seront récompensées. Si cette osmose entre le narratif et le scoring peut sembler idéale, elle touche toutefois souvent ses limites durant la dernière scène de chaque livre, alors que les paramètres de scoring sont complètement déterminés et révélés. À ce moment, chacun s'applique généralement à optimiser ses gains de prestige en fonction du tableau qu'il a construit, au mépris partiel et même parfois total de l'épilogue de la saga. Narration, gestion de ressources, pose d'ouvriers et engine building, il semble que Monarchs of Camelot ait trouvé une recette aussi complète que complexe. Si Path of Destiny vous avait semblé trop léger sur l'aspect thème et narration, ou au contraire pas assez impactant dans ses choix de gameplay, il est fort probable que le premier projet de Rhapsody arrive à vous séduire. Sans jamais plaquer son thème sur des mécaniques subtilement assemblées, le projet grec ajoute à son versant euro une vraie ambiance d'intrigue de cour, valorisant les alliances temporaires, les promesses non tenues et la noble hypocrisie qui n'est pas sans réalité historique. Le soin apporté au lore va jusqu'au titre des cartes, qui constitue de mini-événements et dont chaque moitié parmi lesquels vous devrez choisir est illustré d'une phrase relatant la décision du suzerain que vous incarnez. Le livre contenant les nombreux décors du jeu ajoute encore à cette immersion. C'est une tendance qui semble d'ailleurs se renforcer si l'on se fie aux dernières créations de Woken Realms ou d'Orange Nebula. La forte rejouabilité du titre ne repose d'ailleurs pas que sur les nombreuses histoires proposées, ni sur leurs multiples dénouements, mais bien sur le fait qu'au sein des décors que constituent les pages du livre d'aventure, les personnages présents seront souvent tirés aléatoirement, la plupart d'entre eux ayant son opinion propre quant au dénouement à prioriser, ainsi qu'une action particulière dont chaque joueur pourra profiter. Écrites et développées par de véritables fans du mythe arthurien, les aventures proposées dans Monarchs of Camelot sont à la fois un hommage à de grands auteurs comme Matthew John, mais aussi de véritables créations, puisque chacune d'entre elles commence à la mort du roi Arthur, et tente d'imaginer tout ce qui pourrait se produire après. Finalement, c'est une bonne chose que Path of Destiny et Monarchs of Camelot aient si peu en commun, car ils s'adressent à des publics relativement différents. De par sa DA, sa taille et l'intrication de ses mécaniques et de ses enjeux,
La création de Rhapsody s'adresse à un public beaucoup plus adulte par le biais d'une narration nettement moins pop, partant du postulat que de nombreuses valeurs et thématiques de l'histoire des chevaliers de la Table Ronde sont universelles et ont sans aucune difficulté traversé les âges et les modes. C'est d'autant plus vrai que, me disait un développeur, quasiment chaque pays européen a sa propre légende, son spin-off, dans lequel un chevalier local se joint à la Table Ronde. Pour autant, le jeu reste dans le giron de la fantasy médiévale classique et ne ferme pas la porte à des joueurs plus jeunes, si ce n'est par sa barrière de la langue. Les histoires, écrites avec passion et surtout avec talent, seront peut-être traduites en français durant la campagne, mais à ce sujet, les tractations sont toujours en cours et je n'ai aucune garantie à vous offrir au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est la fin de cette review de Monarchs of Camelot, dont la campagne commence la semaine prochaine sur Kickstarter. On se retrouve dans quelques jours pour faire un bilan de la saison 1 de Lorcana, et puis pour parler un petit peu des perspectives de la saison 2. J'aurai à cette occasion 4 cartes exclusives à vous révéler. D'ici là, je vous souhaite de belles aventures. Salut !